d'habitude? Ouais. Approche du train d'atterrissage. Attention. Reste dans l'axe. Stop! Arrêtez tout! C'est mon générateur de spoil, il est en train de faire n'importe quoi! Retour à l'écran titre, allez, retour à l'écran titre, go! Voilà, c'est bien! Bon, ouais, là ça commence un petit peu bizarrement, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas envie de vous spoiler pour celui-là, hein, puisque je l'avais pas mal fait pour le Uncharted 2 déjà. Et celui-ci, tout ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un simple chapitre où il y a pas mal d'actions, parce que j'estime vous avoir déjà tout montré dans les deux premiers. Allez, comment on fait? Voilà, là, comment ces chapitres. Ouais, voilà, j'estime vous avoir déjà tout montré dans les premiers Uncharted. Il y a rien de plus, ils ont pas fait d'énormes innovations jusqu'à changer complètement le gameplay ou orienter l'histoire vers un tout autre sujet. Non. Là, on recherche toujours un trésor. Bon, après, c'est pas toujours la même chose. Mais je veux dire, le principe reste le même. Et là, en fait, ce que j'ai voulu faire pour cette vidéo-là, c'est simplement vous montrer un chapitre, de pas vous parler de grand-chose, parce que, à part quelques points que j'ai envie d'aborder, je vois pas d'autres choses importantes, à part tout ce que j'ai pu vous dire dans les précédentes vidéos des Uncharted. Donc, sincèrement, si vous voulez des détails plus développés, je vous renvoie aux deux premières vidéos. Et là, pour celui-ci, c'est simplement, on va dire, du spectacle, voilà, que j'ai envie de vous offrir. Alors, on commence tout de suite donc par une phase où on est poursuivi par des espèces de grosses araignées. Vive cette séquence-là pour les arachnophobes, hein. Allez, grimpe au mur, voilà. Et donc, tout simplement, là, ce qu'on va devoir faire, c'est courir et essayer de les esquiver. Alors, pourquoi je vous montre cette phase-là? Pourquoi je vous montre ce chapitre-là? Eh bien, j'aurais pu vous montrer un tout autre chapitre. Voilà, parce que, de toute manière, tout... pas tous les chapitres, hein, faut pas exagérer non plus, mais la plupart des chapitres, la plupart des scènes de ce jeu sont faites d'actions comme celle-ci, pas forcément des courses-poursuites, mais c'est tout des actions comme ça où ça nous prend vraiment aux tripes. Mais ça, on a déjà commencé à être habitué dès le second, c'est d'ailleurs pour ça majoritairement qu'il a eu un succès énorme, un succès monstre. Et d'ailleurs, celui-ci a eu un énorme succès aussi, mais je comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu un au moins aussi grand, parce qu'il le méritait largement. Et vous allez le voir justement avec ces phases qui sont là, c'est complètement énorme. Déjà, scénaristiquement, la mise en scène des cinématiques, elle est énorme. Alors attendez, il faut que j'aille où déjà? Ah oui, voilà en bas. Déjà, la mise en scène des cinématiques, elle est complètement énorme. Je vais dire pourquoi. Parce que dès la première cinématique que j'ai faite, dès le lancement du jeu, déjà, t'as pas envie que ça se termine. T'es presque déçu de jouer. Moi, je me souviens, la première cinématique, elle dure genre quoi, 3-4 minutes. Et j'étais complètement pris dedans, comme un film. Ça commence à peu près comme un James Bond, on va dire. Le gars bien habillé... Ah voilà, je vais pas vous en dire plus, hein. Franchement, j'ai vraiment envie que vous découvriez tout par vous-même, parce que là, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi faire l'aventure par nous-mêmes. Voilà, attention déjà, là. Première chose, on veut... Voilà, dans ce jeu, c'est un perpétuel combat contre l'environnement. Et c'est ça qui est totalement impressionnant. On va être sans cesse impressionné par ça... Par le level design. Alors attendez, là faut que j'aille où, parce que
Je sais plus vraiment. Non, faut pas que je descende à mon avis ici. Ah bah si, il fallait que je descende. Voilà, donc là on va se calmer un petit peu. Et on va apprécier un peu toute la mise en scène, ce qui se passe, parce que franchement ce jeu, il est complètement impressionnant. Vous allez être... ça va bouger de bout en bout. C'est un film d'action interactif hollywoodien. Donc c'est sûr que si vous n'aimez pas les films comme ça, enfin je parle de films, mais c'est bien évidemment un jeu vidéo, hein. Mais les films où en général ça bouge tout le temps et... Ils sont piégés. Et voilà, où il n'y a pas... Enfin, j'allais dire où il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais si, parce que dans celui-ci il y en a, mais bon, ils mettent plus... Oh merde, j'ai oublié de les buter, je vais crever moi du coup. Oh non, c'est bon, je lui ai fait un headshot apparemment, qui est mort d'un coup. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais aller tellement trop vite. Tiens, vous avez obtenu un trophée sans tir en pleine tête. Youhou, génial. Alors là, hop, ça va permettre de vous montrer un petit peu les combats à main nue. Qui dans cet opus là sont vachement plus... Oh bah tiens, je viens de me ramasser un bon pain dans la gueule. Ah regardez, là je viens de lui dégoupiller une grenade sur lui. Et je viens de le repousser avec mon pied pour que ça explose. Mais ça c'est énorme. Ça c'est un détail que j'ai trouvé mais complètement, complètement énorme. Et il y a plein de petits détails comme ça quand vous vous battez au cac. C'est... Il y a plein de bonnes idées. Et puis même ils sont vachement plus hard. Parce que... Regardez, je vais essayer d'en faire un. Ah merde, oh, il l'a tué. Non mais... En fait... Attends, il faut que je fasse quoi? En fait, il y a beaucoup plus de choses à faire quand vous allez vous battre au corps à corps. Par exemple, il va vous agripper, vous allez devoir bourriner la touche rond pour essayer de vous débattre. Il va tenter de vous mettre un pain dans la gueule. Alors, attendez là. Allez, un petit headshot, ça fait du bien par où ça passe. Alors... Voilà. Donc il va tenter de vous foutre un coup de poing, vous allez l'esquiver avec triangle, et sinon vous allez essayer de le bourriner comme vous pouvez avec carré. Alors bon, d'accord, c'est pas autant poussé qu'un jeu de combat, parce que c'est pas un jeu de combat à la base. Donc ce qu'on lui demande, c'est pas des phases de combat à main nue hyper poussées. Non, c'est pas ça qu'on demande à un type de jeu comme celui-ci. Mais malgré tout, eh ben, il se débrouille hyper bien. Tous les petits détails, toutes les petites phases de gameplay différentes qu'ils ont... Attendez, là, je crois qu'il faut que je monte. Oui, voilà. Qu'ils ont commencé à mettre en place. Regardez ça. Regardez ça. Je veux faire un truc et ça m'en empêche. Et ça, vous allez voir, pendant tout le long de ce chapitre, ça va être ça. Du coup, je sais plus ce que je disais. C'est génial. Alors, attendez. Oui, voilà. On lui demande pas, en fait, que ce soit un jeu de avec lequel on se bat à main nue. Et voilà, et donc tout ce qu'il a mis en place, tout ce que les premiers... Ah merde, c'est par ici. Tout ce que les premiers Uncharted ont mis en place depuis les premiers, tout a été développé dans celui-ci. Et là, je peux vous dire que vous avez un jeu ultra complet. Autant dans le premier, on avait quoi? On avait des phases de plateforme, des phases de tir et des énigmes. Voilà. Et ben là, on retrouve encore une fois toutes ces phases-là, mais qui sont... agrémenté de... Regardez ça, hop là, ça se casse la gueule, comme si on n'en avait pas assez. Vous allez voir, là, ça va s'enchaîner. Hein. Et agrémenté de beaucoup d'autres petits détails. Je veux dire, par exemple, les phases de combat à main nue, eh ben, elles se sont peaufinées. Il y a eu d'autres choses, comme je viens de vous expliquer. Les phases de tir, elles se sont diversifiées, notamment de par... les situations dans lesquelles on se retrouve. Par exemple, on peut se retrouver à essayer de leur tirer dessus tout en étant accroché à des plateformes. Ça a déjà été le cas dans le 2, mais là c'est un peu plus poussé, la situation est un peu plus périlleuse en fait. On a les armes aussi qui sont encore une fois beaucoup plus diversifiées. Les phases comme celle-ci, voilà, un petit détail, hop, on va s'entraider. Là, le jeu de lumière, regardez ça, c'est hallucinant. Et là, vous allez voir les phases de grand n'importe quoi, j'ai envie de dire, vont s'enchaîner. Alors là, voilà, vous avez un combat qui se diversifie un petit peu des autres. C'est un combat, j'ai envie de dire, contre des grosses brutes. Et donc là, les combats durent un peu plus longtemps et sont un peu plus scriptés que les autres. Donc de toute manière, je parle de script, mais si vous aimez pas les jeux scriptés,
c'est pas la peine de miser sur ce jeu-là pour vous éclater, parce que c'est un jeu qui est totalement scripté. Mais, il a beau être scripté, c'est un jeu qui le fait bien. Tout ce qui est scripté, c'est bien fait. On n'a pas l'impression d'être pris par la main tout le temps. Non, parce que même si c'est scripté, on doit quand même prendre part au jeu. On doit malgré tout faire des choses. C'est pas on va vous dire de faire ça, hop là, un petit QTE, et c'est fini. Non. Tout ce qui va se passer... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Tout ce qui va se passer, eh ben, ça va être bien géré. Et malgré tout, vous allez toujours devoir faire quelque chose. Donc franchement, un énorme bon point pour ce jeu-là, et qui était déjà le cas dans le second. De toute façon, le premier et le second ont déjà posé les bases de partout. Celui-là ne s'est contenté que de les peaufiner encore plus, d'y apporter que plus de détails. Mais tout a été bien fait, Moi franchement, j'ai vraiment presque pas de défaut à soulever. Donc qu'est-ce que je peux dire comme défaut? Attention, je vais chipoter. Attention, un petit défaut, je dirais que c'est les sous-titres qui parfois ne suivent pas. Alors attendez, regardez-moi ça là. C'est complètement incroyable. Et là ça va s'enchaîner, attention, là franchement je me tais, je vais rien dire. Regardez, hop, on monte, l'autiste prend le pied dans le bois. Alors là, Sully, il vient m'aider, il y en a d'autres qui arrivent. Le grand n'importe quoi, donc qu'est-ce que je dois faire? J'essaye de les battre. Voilà, quand je vous disais les phases de tir, hein, ben voilà, là on a le pied pris dans un machin, on peut pas bouger, donc forcément, on va essayer de leur tirer dessus d'une autre manière. Voilà. Bon, alors je vais continuer un petit peu avec les bugs. Donc les sous-titres, ça c'était bien évidemment pour rigoler. Bon d'accord, regardez-moi ça. Non mais là, les débris là qui nous tombent dessus. Je peux pas parler là, regardez ça un peu, mais c'est... Ça s'enchaîne. Ouais, qu'est-ce qu'on a? On a les bugs de sous-titres. Alors on a aussi parfois, j'ai vu, quand on va par exemple être accroché, qu'on va tirer sur des gars, ils vont tomber. Ah, attendez là, ça c'est énorme. Là, tout se casse la gueule, ils se rattrapent comme... Là, il faut que j'aille l'aider. Ça c'est incroyable. Oui, parfois, quand on va shooter des gars et qu'ils tombent dans le vide, les corps disparaissent. On va essayer de les suivre à la caméra, mais il suffit que notre caméra, que le corps sorte du champ de vision de notre caméra. Mais regardez-moi ça. Il suffit que le corps sorte de notre champ de la caméra pour qu'il disparaisse. Vous allez essayer de le retrouver dans le vide ou qu'il est en train de tomber. Eh ben non. Non, vous allez pas le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'IA. Alors, je vais terminer par ça au niveau des bugs. Parce que franchement, là, j'en ai dit 3. Si, avant de parler de l'IA, il y a juste un petit peu dans l'eau. Ils ont essayé de faire un truc bien dans l'eau. Maintenant, on peut aller un petit peu sous l'eau. Mais vraiment, c'est pas... Déjà, sous l'eau, c'est assez dégueulasse. Comme c'est fait sous l'eau, c'est très dégueulasse. Il n'y a aucun détail. Bon, j'ai envie de dire, si quand vous êtes développeur, vous avez envie de faire un truc, autant le faire bien et pas faire des petits trucs comme ça, dire « Ah bah ouais, il peut aller sous l'eau, c'est pas mal », mais le faire mal. Non. Non, je pense que ça, ils auraient pu s'abstenir de le faire. Attention, ou tenter de le faire un peu mieux que ça. Voilà, bon, là, encore une fois, je chipote vraiment. Vous avez vu, là, par exemple, je m'approche du feu, hop, il a un petit mouvement de recul. Encore un petit détail complètement énorme. Oui, donc l'IA. Alors, on va parler un petit peu de l'IA. C'est que des fois, elle est vraiment... regardez-moi le lui. Des fois, en fait, l'IA, elle vient vers nous, mais elle nous tourne le dos presque. Elle va essayer de se planquer dans des endroits un petit peu n'importe comment. Je sais pas. Des fois, t'as l'impression que t'existes pas à leurs yeux. T'as l'impression qu'ils te voient pas. Ils vont essayer de faire leur petit chemin, tranquille, tout seul. Ils vont essayer de se planquer sans se soucier de toi. Donc des fois, ils vont te tourner le dos. Ou alors, ils te voient même pas. Donc ça, je trouve qu'il y a une régression. Alors là, je sais même pas où ils sont. Je trouve qu'il y a une petite régression par rapport au second. Le second, je trouve qu'il était au top. Au niveau de l'IA, il était au top. Bon là, qu'est-ce qui se passe là? J'arrive pas à les trouver. Ah, voilà. Je trouve que le 2 était au top au niveau de l'IA. Et que dans celui-ci, eh ben, ça a régressé un petit peu. Voilà. Seul petit bémol au niveau de l'IA. Un autre petit détail dont je vous ai pas parlé. Enfin, c'est encore une fois un petit détail. C'est par exemple quand on va vous lancer une grenade. Eh ben, chose qui n'était pas possible. Ah, regardez ça. Ah, ça, je trouve ça énorme. Quand vous avez plus de balles
dans un fusil ou que vous n'avez pas un des deux fusils qui est comme d'habitude un petit et un grand et que un ennemi le possède, vous allez battre au corps à corps. L'arme qu'il a va voler en l'air, comme vous l'avez vu, hein, de toute manière, et vous allez récupérer. Ça, je trouve ça énorme. Et autre petit détail énorme, c'est que, par exemple, on va vous lancer une grenade, et il y a une petite barre, en fait, qui va se placer à côté de l'indicateur de grenade, et il y aura, dans ce petit indicateur, enfin, dans cette petite barre, un espace blanc, et... il y a un espèce de petit réticule qui va se balader dans ce petit truc là, dans ce petit espace, et dès qu'il atteindra l'espace blanc, il faudra appuyer ce triangle pour pouvoir renvoyer la grenade. Voilà, et ça va pas mal nous aider, notamment dès qu'il y a un groupe d'ennemis et tout ça, voilà, on va pouvoir relancer la grenade, parce que généralement il la relance bien. Parfois on est bloqué par un mur qui va faire qu'on renvoie la grenade contre le mur. Alors là. Donc déjà le truc qui s'effondre. Oh merde, je suis tombé dans le vide. Bon bah voilà, forcément la vidéo n'allait pas pouvoir se faire sans un petit fail, hein. Voilà, ça c'est ma petite marque de fabrique en fait, hein. La petite marque de fabrique à qui je n'y fous. Une petite vidéo sans fail, non ça n'existe pas. Donc là tout s'effondre, mais qu'est-ce qu'il fait? Tout s'effondre, tout est en feu. Et là en même temps il y a la tour qui s'effondre. Comme si on n'en avait pas assez bien évidemment. Donc là voilà. Une petite phase de stress, là j'aime beaucoup ces phases là. Mais là en fait je vais vous quitter ici. Parce que de toute manière je vous ai montré ce qu'il fallait. Là on va se retrouver, on va se rattraper de justesse. Et voilà, moi franchement je vous ai tout dit. Comme je disais, cette vidéo là, je veux pas qu'elle dure longtemps, voilà. Là elle fait à peine 20 minutes. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ce jeu là je veux que vous le découvriez par vous-même. Il a énormément de bons points. Là, vous venez de voir une phase complètement énorme. Et je vous souhaite vraiment de découvrir tout ce qui reste dans ce jeu parce que vous en avez encore un paquet à découvrir. Je peux vous dire que des fois, là, vers la dernière moitié du jeu, je pouvais pas le lâcher le jeu. Je pouvais pas le lâcher. C'était incroyable. J'étais complètement pris dans le truc. Et il y a une telle diversité des environnements, une telle diversité des situations, bah que vous le vivez, le truc. Vous le vivez complètement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Éclatez-vous sur ce jeu. Achetez-le. Franchement, achetez-le. Il a de quoi vous impressionner. Il a de quoi vous faire vivre une aventure complètement énorme. Voilà. Alors, je me rends compte que j'ai pas parlé de l'histoire. J'ai pas trop envie de vous en parler en détail. Parce que, encore une fois, je veux que vous le découvriez par vous-même. L'histoire, en gros... c'est que ils sont à la recherche de l'Atlantide des Sables qui est cachée dans un désert au Moyen-Orient. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais rien dire de plus. Je sais pas si je vous fais un petit spoil sur le début, mais sachez que, non je vais pas vous le dire, mais sachez qu'au début il y a un truc qui est vraiment pas mal, et vous allez en apprendre un peu plus sur le passé de Nathan. Voilà, après, quoi, moi ce qui m'est arrivé tout à la fin du jeu, c'est... Si on a été suivi, au niveau du final, dans les deux premiers, on se battait contre quelqu'un, et là, ils se sont pas contentés de faire un ennemi, de se battre contre quelqu'un. Voilà, ils ont mélangé tout plein de phases. Il y a des trucs, des fois, on se demande ce qui se passe. En fait, la plupart du temps, on est pris... on s'identifie complètement au personnage parce que des fois on comprend rien à ce qui se passe tout autant que Nate. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant en fait au niveau du jeu qu'ils ont réussi à faire parce qu'on est complètement pris dans le personnage, on est complètement pris dans l'histoire et on adore. On a qu'une seule envie, c'est de continuer. Voilà, j'en ai assez dit, j'ai pas trop envie d'en dire plus, c'est pour ça que j'entre pas trop dans les détails et je vous souhaite de découvrir ce jeu qui est une mine d'or. Voilà, allez. Je vous dis de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Je dis juste que ces gars ont pas l'air du genre à prendre des otages. On va essayer de rester positif pour le moment. D'accord? On sauve Cutter et Chloé. Et une fois tous les quatre, on sort discrètement. Oui, bien sûr. On sort discrètement. C'est possible.